En conférence de presse mardi à Johannesburg, le ministre sud-africain de l'énergie a dévoilé le nouveau plan basé sur le nucléaire pour tenter de sortir de la grave crise d'électricité que connaît le pays. C'est un sujet assez important. Nous sommes ici à cause des crises énergétiques. La production d'électricité ne peut répondre à la demande. Il faut donc une capacité de production supplémentaire parce que la flotte d'Eskom vieillit et nous avons besoin d'une capacité de production supplémentaire. Des discussions avec plusieurs fournisseurs potentiels pour l'acquisition de nouvelles unités de production sont en cours. Il pourrait s'agir de réacteurs conventionnels ou de petits réacteurs modulaires, moins puissants mais aussi moins coûteux. Une première mise en service est espérée à l'horizon 2032-2033. Nous allons nous assurer d'atteindre cette capacité nucléaire supplémentaire de 2500 MW. Afin de répondre aux questions de sécurité nationale et de souveraineté énergétique. Il s'agit d'une étape importante, car nous savons qu'historiquement, dans un passé récent, le processus a été embourbé dans de la polémique. Nous sommes à présent heureux d'avoir pu régler les problèmes liés à ce processus d'approvisionnement. L'Afrique du Sud possède une seule centrale nucléaire. Une unité de Coburg a été fermée pendant près d'un an afin de prolonger la durée de vie du site de 20 ans et la deuxième est en maintenance. Le pays mise sur le nucléaire pour augmenter sa production d'énergie, mais aussi pour faire taire les critiques contre le gouvernement en place.